Préjugés. Les éleveurs peuvent cohabiter avec le loup. Pourquoi ? Est-ce que tu connais le loup ? Ouais, 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 tu parles que c'est mon copain. Je lui dis salut Charles et je lui serre la main. Mais que mange alors le loup ? Se fait-il des côtelettes quand un mouton pauvre bête vient rôder près de son trou ? Ouais, 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 tu parles qu'il aime pas le mouton. Il aime les bananes, le yaourt et le melon. Vous trouvez ça absurde ? Nous aussi. Parce que c'est plus de 22 millions d'euros dépensés par l'État français en 2016. Parce que le loup, c'est 49 attaques et 186 victimes en Lozère en 2016. Parce que même avec la mise en place de compensations financières, cela ne couvre pas entièrement la perte économique et le stress qu'induisent les attaques sur les troupeaux et leurs éleveurs. Parce que si le loup continue son expansion, les conséquences seront désastreuses pour les territoires. Les éleveurs ne pourront plus laisser pâturer leurs bêtes. Il sera alors le fossoyeur de l'agriculture de montagne, avec comme première conséquence de cette catastrophe une déprise des zones défavorisées et un enfrichement dévastateur pour l'environnement qui signeront la fin du pastoralisme. Changez votre regard sur les préjugés.